Devinez où je suis. Mais oui, c'est la Grèce. Je suis devant le Zapion, ça a servi de village olympique pour les premiers Jeux olympiques en 1896 et ça va servir de siège pour la présidence par la Grèce de l'Union européenne le 1er janvier 2014 et la Grèce va rebondir, c'est ce qu'on me dit à Athènes. Non, en fait, personne ne me le dit. Les gens sont désespérés. Sixième année de récession pour un pays qui a perdu un quart de son PIB depuis 2008. Moins 30% pour les salaires dans le privé, chômage à 26%, 1 euro sur 4 est souterrain, une famille sur 5 est dans la pauvreté. Ici, les bacs plus 5 gagnent souvent 300 euros par mois. Crise économique. Crise en grec ancien veut dire jugement. Le pays souffre, les boutiques ferment, les gens vivent mal. Le documentariste Marco Gastin est à Athènes depuis des décennies, il n'a jamais vu ça. Tous ces restaurants de luxe et tout ça ont fermé parce qu'il n'y a plus de clients. Mais ce qui se développe, c'est tous les souvlakis, tout le grec. Souvlaki, c'est le grec, quoi. Vous avez vu salade tomate-oignon? Là, c'est vraiment l'authentique grec. Regardez, prenez-en de la graine, la France. Corruption, extrémisme, vie trop chère. Les gens n'ont même plus les moyens de sortir leur voiture. Nous prenons donc un des taxis jaunes qui pullulent pour rejoindre Olivier Drault. Son blog, Okea News, est une référence sur l'actualité politique grecque. Il raconte un quotidien en faillite. C'est un des rares pays dans le monde où les loyers chutent. Les loyers ont baissé. Il y avait de moins en moins de personnes qui pouvaient payer leur loyer, avec les réductions de salaire, des retraites, etc. Donc les propriétaires, pour éviter que les gens s'en aillent et chercher ailleurs moins cher, ont commencé à baisser. 100 mètres carrés, il faut compter 350, 400 euros minimum. Ah, c'est dément, quoi. Là, regarde, c'est incroyable le nombre de panneaux alloués, là. Il y en a 5 par poteau. Et là aussi, là, fermé, fermé, fermé. Ça, c'est fermé, ça, c'est fermé. Quitter la ville pour la campagne, retourner chez ses parents, faire de la colocation, pas étonnant lorsque l'on connaît le montant de l'allocation chômage. Il y a une indemnisation du chômage de quelle sorte? 359 euros par mois pendant 12 mois. Et après plus rien. Pourtant, dans le quartier très dégradé de Metaxourgeio, Rebecca Camille a installé une galerie d'art contemporain où les collectionneurs, entourés de gardes du corps, voisinent avec les toxicomanes. Il y a quelqu'un qui se pique là, regarde. Voilà, ça c'est la seringue. Mais partout, partout. 1 euro la dose de Cisa, mélange de détergent et de liquide de batterie. Pendant un quart d'heure, nous allons courir avec une horde de marathoniens, seringue en main à nos trousses. La police pourchasse les jeunes, les immigrés, laisse la rue aux néo-nazis. Les Athéniens ne sortent plus et résument leur vie désertée avec fatalité. Qui leur répondra? Qu'est-ce que tu vas faire demain alors? Là, mais je t'ai fait là, et non.